السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers élèves, je présente la correction de la série numéro 7 sur la loi d'Ohm, 3e année collège. Exercice 1. Premièrement, complétez le tableau suivant. Grandeur, intensité qui traverse un dipôle, la tension aux bornes d'un dipôle, la résistance électrique d'un dipôle. On fait le sans symbole, sans unité et appareil de mesure. L'intensité qui traverse un dipôle. Sans symbole, c'est la première lettre en majuscule, c'est I. Sans unité, c'est ampère. Appareil de mesure, c'est ampère-mètre. On a déjà fait dans la première année. Collège et la deuxième année. La tension aux bornes d'un dipôle. La tension en symbole avec U. Son unité, c'est le volt. Appareil de mesure, c'est le voltmètre. La résistance électrique. La résistance électrique, c'est la première lettre, ou il y a R majuscule. Son unité, c'est ohm. Et appareil de mesure, c'est ohmmètre. Deuxièmement, donnez la loi d'ohm. La loi d'Ohm, il faut apprendre que la loi d'Ohm, c'est la relation entre U et I et R. C'est-à-dire la loi d'Ohm avec la relation U qui égale à R fois multiplié par I. Il est R fois I. La loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est la tension. U qui égale à R fois I, au bord d'un conducteur ohmique à une résistance R. Est égal au produit de la résistance R du conducteur ohmique. Il y a un conducteur ohmique, et de l'intensité I. On écrit U égale à U égale à R fois I. Cette relation, on va l'appliquer dans les exercices suivants. Loi d'Ohm s'exprime en la relation U égale R fois I. Troisièmement, complétez les phrases suivantes. Dans un circuit en série, si on diminue la résistance, alors l'intensité du courant électrique. Pour répondre à cette question par un mot convenable, on a une expérience, on a un circuit électrique, la résistance I 1000 ohms. Et sa valeur, l'intensité qui circule sur le circuit électrique, c'est de 4,2 milliampères. Si on diminue la résistance, on va voir cette valeur, elle diminue ou bien augmente. C'est-à-dire, si R égale 21, alors l'intensité descend. Et l'intensité augmente quand la résistance diminue. On dit que dans un circuit en série, si on diminue la résistance, alors l'intensité du courant augmente. Dans un circuit en série, quand on ajoute une résistance, alors l'intensité du courant. Nous on va prendre l'expérience sans résistance, mais qui n'est pas de résistance, le courant indique 265 milliampères. C'est le courant qui traverse le circuit. 1 milliampère. L'ampèremètre indique l'intensité en 2 milliampères. Si on ajoute la résistance, on va voir, on ajoute une résistance. Si on ajoute une résistance R, le courant diminue. C'est la résistance diminue le courant du circuit. On ajoute cette composante électro pour protéger les composantes du circuit. Nous avons dit que le courant est un peu plus fort. Les composantes électroniques. Il y a
sans résistance à 265 mA, si on ajoute avec une résistance, l'intensité du courant est 10 000. Et si des tiers, ça commence. La caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique est une la caractéristique ou mesure de l'intensité non grave. C'est une droite qui passe par l'origine des axes sans coefficient directeur égal à la valeur de la résistance. Exercice 2. Complétez le tableau suivant en effectuant les calculs suivants. Nous la résistance, l'intensité, tension au bord de la résistance. Nous avons de la résistance, nous la relation U égale à R fois I. Il y a R, I, toujours U. Nous la relation. Nous avons premièrement U égale à R fois I égale à 990 ohms par 16 mA. 16 ampères, on va convertir, on multiplie, on divise par 1000, ça veut dire 0,16. Et on peut en donner 15,84 volts. C'est le premier. Deuxième cas, on va calculer R. On dit la relation R égale à U si U est égal à R fois I, donc R est égal à U sur I. C'est égal à 7 volts sur 125 mA. On a le milliampère, on devait diviser par 1000. Donc 7 volts sur 0,25 ohms, etc. 56 ohms. Il y a 56 ohms. La troisième cas, on a R et on a U, on va calculer I. On a déjà U est égal à R fois I, donc I est égal à U sur R. Donc I est égal à U sur R égale à 200 volts sur 2,2 kilo-ohms, c'est-à-dire 2200. On va multiplier par 1000. 2200 volts ohms égale à 0,1 ampère. Il y a 0,1 ampère. Exercice 3. Rachid a tracé la caractéristique d'un conducteur ohmique. Premièrement, quelle est la valeur de l'intensité du courant traversant ce dipôle ohmique lorsque la tension entre ces bornes vaut 3 volts. Adna l'abscisse, l'intensité en ampères, ou adna l'ordonnée, adna U égale à, adna U égale à volts, adna la tension, adna chiffre de tiers. Mais si adna 3 volts, adna 3 volts, il y a 3 volts, il vaut, adna 3 volts, adna il vaut 0,15 ohm. 0,15 ampères. Il y a I égale à 0,15 ampères. Deuxièmement, pour quelle tension appliquons entre les bornes de ce dipôle lorsque l'intensité du courant qui la traverse veut-elle 200 mA? 200 mA, on va convertir en ampères, 0,2 ampères. 0,2 ampères, on va chercher 2,1 ampères, 9 l'abscisse, et dans 0,2 ampères, il y a dit. Maintenant, si vous voulez être libre, ça tient 4 volts. Donc, pour cette question, on va faire U égale à 4 volts. Troisièmement, quelle est la valeur de la résistance de ce dipôle? Pour calculer la résistance, on a la relation U égale à R fois I. Mais pour calculer à travers cette caractéristique, cette courbe, on prend un point. Par exemple, cet point. On prend un point A de la courbe, c'est-à-dire un point A. On met les coordonnées d'IELO. Les coordonnées d'IELO sont 0,2, l'axe 10x. On a l'axe 10y, c'est l'abscisse ou la coordonnée. Il y a une xa ou xb. Xa est 0,2 ou yb est 4. Il y a une l'abscisse xa est 0,2 ampères, on a 4 volts.
Une Hertz égale à 4 volts sur 0,2, 20 ampères, 20 ohms. 20 ohms. Il y a une R, il y a U sur R, R est égal à U sur I. Il y a 4 volts sur 0,2, il y a 20 ohms. La résistance de la caractéristique du conducteur ohmique, R est égal à 20 ohms. 20 ohms. Exercice 4. On considère le schéma suivant. 1. Donnez le nom de chaque dipôle. Le schéma a 4 dipôles. 1, 2, 3, 4. Pour 1, c'est un générateur du générateur qui produit le courant. Donc, il y a un générateur de tension. Il y a la tension. De tension. Voilà qu'il y a une flèche, maintenant réglable, c'est-à-dire il faut régler, variable, 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 on va le régler, on va le varier d'une tension à une autre. Il y a Adam Sbalina, un générateur de tension réglable, ou variable. Mesbel 2. 2, c'est un triangle, un rectangle, avec R, c'est un résistance, ou conducteur ohmique, de résistance R. Soit troisième. Troisième, c'est un doigt de cercle, le schématique par un symbole de V, c'est-à-dire le voltmètre. L'autre, la même chose, Adna A, c'est ampère-mètre. Deuxième, sachant que l'appareil 4, c'est-à-dire le voltmètre, indique la valeur 4 ampère-mètre indique 600 milliampères, et l'appareil 3 indique 6 volts. Calculer la résistance du dipôle 2. On a la relation U égale à R I. On a la relation où il y a U égale à R fois I. On va chercher R. R égale à U sur I. Égale U, 6 volts, sur 600 milliampères. On va convertir 600 milliampères, c'est-à-dire on va diviser par 1000 pour voir en ampères, c'est-à-dire 0,6 ampères. 6 volts sur 0,6 ampères égale à 10 ohms. Dans la résistance, il y a 10 R égale à 10 ohms. Exercice 5. Premièrement, une lampe a traversé par un courant de 1,5 ohms. Sa résistance est réglée à 4 ohms. Dans ampères, 4 ohms, calculer la tension entre les bornes de la lampe. Mais il y a la même chose, il y a la relation U égale à R fois I, il y a la relation de la loi, mais il y a la loi fait la loi d'eau, toujours, on va chercher U, on va chercher R, ou bien on va chercher I. Mais il y a R, on a cherché la tension, puis on a calculé la résistance, ou bien la courant. Et là, je vois la résistance, la tension, il y a U égale à R fois I. On a U égale à R fois I égale 4 ohms fois 1,5 ampères égale à 6 volts. Une U égale 6 volts. Deuxièmement, un conducteur ohmique a traversé par un courant de 0,2 ampères. La tension entre ces bornes est 24 volts. Calculer sa résistance. Une R égale à U sur I. Mais on a U égale à R fois I. Une R égale R égale U sur I, égale à 24 volts sur 0,2, égale à 120 ohms. Au revoir, à la prochaine vidéo.